Alain Jakubowicz. On doit être. Je me battrai. Plus jamais ça. Mm. Quand on touche un juif, on touche la République. Ouais. Voilà. Ouais. En 1990, un cimetière juif a été profané à Carpentras. On n'a tué personne. On a déterré un homme. On a fait un simulacre d'empalement. 1 million de Français étaient dans la rue. 1 million. Le premier d'entre eux, le président de la République, est venu à cette manifestation. Depuis, on a tué des enfants dans une école juive. On a tué à bout touchant une petite fille dans une cour de récréation parce qu'elle était juive. C'était des terroristes, c'était des assassins, c'était des gens radicalisés. Nous sommes en 2024. Une petite fille, pardon, une jeune fille, une préadolescente de 12 ans, est violée, raquettée. Tu nous amèneras de l'argent parce qu'elle est juive. Quelle est la réaction de la société française? La vraie question, Pascal, et je peux vous dire, du haut de mon âge, de mes décennies de combats, d'échecs, de défaites, c'est que je me pose la question aujourd'hui. Et je ne suis pas le seul, Pascal. Y a-t-il un avenir pour les Juifs en France? Je veux dire que moi, je vous me pose cette question. Mon grand-père a fui des pogroms en Pologne. Il est arrivé en France en 1933 en fuyant l'Allemagne nazie. Il n'a pas choisi n'importe quel pays, il a choisi la France. C'est en trois, cet pays qui avait fini par acquitter le capitaine Dreyfus, heureux comme Dieu en France. Aujourd'hui, moi, son descendant, né en France, français, ancien élu, décoré par la République, plus français que moi, ça n'existe pas. Est-ce que l'avenir de mes enfants est là? C'est la vraie question. Est-ce qu'on veut que les Juifs quittent la France? Je vais, mais jamais je me suis posé cette question. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Eh bien, je le dis quand même. Vous connaissez vos combats. Eh bien, à la tête du Christ. Moi, je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire autre chose et vous allez me dire que ça n'a rien à voir. Eh bien, ça a à voir. Il est vraisemblable, en tout cas, il est possible, c'est ce qu'on annonce, que le Rassemblement national formera le prochain gouvernement. Quand je vous dis les Juifs se posent la question de. Dans le programme du Front National, et c'est son droit. Il n'y aura plus d'abattage rituel. Les Juifs ne pourront plus manger cachère. Ne pourront plus manger cachère, M. Bardella l'a encore dit dernièrement. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Ça a à voir, on est sur des terrains qui sont certes différents, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les Juifs qui veulent manger cachère dans le principe de... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel va être le choix? Soit tu renonces à manger cachère, soit tu quittes la France. Je veux dire qu'il faut poser... Il faut avoir la lucidité de poser des questions telles qu'elles se posent. Et quand on voit le président de la République qui ne sait plus quoi inventer, qui est hors sol, qui vient nous dire on va mettre une heure de discussion sur l'antisémitisme dans les écoles, mais il y va, lui? Il va se colter les problèmes? Ils n'en ont pas assez, les enseignants, de problèmes de pouvoir évoquer cette question? Alors on a dit racisme et antisémitisme pour essayer de... Mais où sommes-nous? Mais qui le conseille? Monsieur le Président de la République, il y a un endroit où vous deviez être, c'est la grande marche contre l'antisémitisme. Parce que vous représentez l'ensemble des Français, vous êtes tous les Français. Voilà. Alors après, on pourra faire tous les discours qu'on veut, on pourra se rassembler, place de la République, quelques centaines de personnes, et vous avez entendu? Des Juifs. Voilà. Je veux dire, mais c'est... Moi, j'ai plus de mots. Une gamine violée parce qu'elle est juive, qui reproduisent ce que l'on dit, et la responsabilité de ce parti antisémite. Le premier combat contre l'antisémitisme, c'est de battre ces antisémites. Donc, et je cite des noms. Les portes, les carons, les panneaux, les soudets, les obonos n'ont rien à voir à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas leur place. Et les dernières provocations de ce triste sire, M. Caron, dans son tweet d'hier, qui est une honte, qui est une abjection, et qui ose ensuite d'ailleurs insulter pratiquement Delphine Horviller parce qu'elle lui dit « mais où sommes-nous ?» Enfin, mais où sommes-nous? Eh bien, ces gens-là, la première façon de lutter contre l'antisémitisme, c'est de leur dire « on ne veut pas de vous dans la représentation nationale ». Est-ce à dire que l'homme que vous êtes, s'il doit choisir le 7 juillet, ben c'est la question essentielle. C'est la question essentielle, Alain Jakubowicz, il faut aller au bout.
le 7 juillet, lorsque vous serez dans l'isoloir, si vous avez un candidat du Rassemblement national et un candidat de la France insoumise, vous votez pour qui ? Je suis français, monsieur Pascal. Je raisonne donc comme tous les Français. Et pour le bien de la France. J'ai dit ce que je pensais de LFI et de ces élus-là, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus généraliser, mais clairement, c'est leur politique, avec leur gourou, monsieur Mélenchon. Moi, je n'ai pas fini de régler mes problèmes avec le Rassemblement national. Je vous le dis honnêtement, ça a été mes combats pendant des décennies. Il est vrai que l'appareil a totalement changé. C'est vrai que je ne peux leur reprocher aucun écart antisémite. Donc, que le travail a été fait en surface, donc, pas en profondeur. Donc vous ne voterez pas pour eux. Pas en profondeur. Vous et j'ajoute. Vous ne voterez pas pour eux. J'ajoute, en dehors de toute autre considération. Non, mais c'est juste incohérent avec ce que vous venez de dire, si vous me permettez. J'ajoute, en dehors de toute autre considération, que je trouve stupéfiant que l'on ne se pose pas la question, même d'imaginer de donner le pouvoir à un jeune homme de 28 ans sans expérience. Je suis, mais alors là, totalement sidéré. On en avait un de 35 ans, on veut en avoir un de 28 ans, le prochain aura 14 ans. Je ne sais pas où on va. Je ne sais pas Alain, où on va. Alain Jakubowicz, je trouve, si vous me permettez, que c'est incohérent, à partir du moment où tout ce que vous avez dit, ne pas voter contre la France insoumise me paraît incohérent dans votre raisonnement. Je ne vous ai pas dit ce que je ferais. Je ferai en conscience, monsieur Pascal Praud. D'accord. Je ferai en conscience. D'accord. Mais je ne suis pas Serge Klarsfeld, pour lequel j'ai le plus grand respect. Je n'ai pas l'autorité qui est la sienne. Je ferai selon ma conscience si ce cas de figure devait se présenter, mais je peux vous dire que ça sera pas simple. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, je voulais juste vous montrer deux choses, parce que ça en dit beaucoup sur la société française. Ça fait deux jours que je le montre, le tweet de Jean-Marc Ayrault qui dit tout de la société française, et je dis à Marine Lançon de le ressortir. Il dit: l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir écrase tout. Écrase tout, c'est ce qu'il dit. Donc lui, si vous pouvez écraser l'antisémitisme, franchement, je prends. Mais c'est-à-dire que pour lui, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est au Front Populaire, c'est pour ça d'ailleurs que les gens de gauche sont au Front Populaire, c'est-à-dire que ça, le fantasme de l'extrême droite, qui effectivement, personne en France pense que Jordan Bardella ne soit d'extrême droite, nous sommes d'accord. Personne ne pense ça. Je veux dire, personne ne pense ça. Je veux dire, on peut reprocher beaucoup de choses. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord avec le Rassemblement National. Bien sûr, oui. Moi, je veux qu'on m'explique précisément est-il d'extrême droite. J'ai toujours pas compris. Mais en revanche, on peut dire sa politique économique est ceci, sa politique régalienne sera cela et ça. L'extrême droite n'existe plus en France. Vous pouvez pas dire pour ça. Le coup, elle est résiduelle. Vous pouvez pas dire ça. J'observe d'ailleurs que... Monsieur, 33% des Français se penseraient d'extrême droite. Ça n'a pas de sens. Que monsieur aujourd'hui, Darmanin a fait écraser tout l'extrême droite de dissoudre le GUD. On peut réagir. Le GUD, c'est différent. Et que c'est également ce qu'a dit monsieur Bardella. Georges Fenech et après Olivier Dartigolle.